test que de ménage, là je suis perdu. Oui, mais attendez. Peut-être que c'est la fin de moi, mon esprit. Nous sommes trois ici. Ce n'est pas représentatif de toute la foule qu'il y a eu. Montrer trois gus, comme disent les Français. Ce qui est hallucinant aussi, c'est qu'il le faut, on est à la barre de toute l'humanité, puisqu'avec Internet, tout se sait maintenant en un dixième de seconde. Et ils n'ont aucune crédibilité. Bon, vous avez parlé, vous avez dit aussi qu'il faut la barre, même ceux qui sont bien rasés. Pourquoi je dis ça? C'est l'impunité, c'est l'expression vivante de l'impunité. Moi, j'ai vu une seule photo, ou bien une vidéo depuis mon arrivée, qui m'a choqué, qui n'est pas possible. Ne serait-ce ça à côté au Ghana, ici, c'est la vidéo où le chef d'État parlait aux officiers, le général Yark, qui est en activité, toujours en activité, général, qui se met en tissu de parti. Vous n'avez personne, aucun journaliste n'en a parlé. Ah, si. Qu'est-ce que ça veut dire? On a longtemps dénoncé. Non, ce n'est pas une question de dénonciation. C'est une analyse plus profonde. Ça veut dire, le monsieur vous a donné tout le caviar en matière journalistique. Que le parti, plus l'armée, plus le gouvernement. C'est la même chose. On l'a longtemps dit. On continue de le dire tous les jours. Parce que, et c'est la même personne qui signe une lettre comme quoi une marche serait illégale. Oui, mais pas de plus partisan. Maintenant, je vous apporte peut-être l'autre élément, peut-être vous n'avez pas vu la photo, où le matin, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la sécurité, le ministre de la fonction publique avait manifesté oui, à l'effigie du parti. Non, 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 et lorsqu'ils ont quitté la plage où ils ont chuté, il est revenu à l'effigie du parti prendre un autre communiqué pour interdire une autre manifestation de l'après-midi. Non, non, non. C'est l'impunité. Ils sont en territoire conquis. C'est pourquoi je parlais de la barre. Après, une duchesse, la barre serait partie, mais le menton serait toujours là. C'est ça la gravité. C'est atypique. Moi, je le dis et je répète, la situation togolaise est atypique. Et il faudrait une solution atypique. Nous voulons être dans les normes pour s'attaquer à un système totalement anormal. C'est là notre erreur d'approche. C'est ça, je le dis, et pour les journalistes, et pour tout le monde. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas... Le mal par le mal. Non, non, mais... Vous savez ce qu'on appelle la chocothérapie? Guérir quelqu'un par le choc? La thérapie de choc. Chocothérapie. Mais c'est traumatisant aussi. Oui, mais ici c'est plus traumatisant, ce match partirait. Comme disent les Américains, you must make it numb. Numb. N-U-M-B. Make it numb to heal it. Si on vous mettait toute vivante auprès des cadavres à la mort tout de suite, vous serez morte. Mais c'est toujours psychologiquement. Lorsque quelqu'un parmi vous se réveille, aussi comme cadavre, vous prendre par la main sur ce lit, vous n'allez pas. Et vous avez réfléchi à des solutions atypiques pour sortir de pays? Non, non, je pas encore. J'ai réfléchi que ce n'est pas par une solution typique, normale, tout ça. On verrait le produit. Mais quelle forme? Hein? Comme dirait l'autre, that's the question. Who? When? How? Moi j'ai l'impression que, peut-être un peu comme au Congo, j'ai l'impression qu'il faudrait une personne extérieure. Enfin, j'ai suivi un petit peu le scrutin. Et au Congo, en 2006 ou bien le tout dernier? Ici, au Togo, enfin bon, de toute manière, je suis. Parce que j'étais au Congo en 2006. Et j'ai l'impression que l'opposition, bon, je ne sais pas de quelle partie vous êtes, non, mais aussi bien partie, comme unir, manque de crédibilité, bah, en tout cas, quand j'entends les directives, les conseils, comme aux élections présidentielles, de ne pas voter, pour moi, ce n'est pas une solution.
je veux bien comprendre qu'on est fatigué et voilà, que malgré des recours à des procédures normales, normalisées dans le monde entier, ici ça ne fonctionne pas, donc peut-être qu'il faut utiliser une autre procédure. C'est ce que je dis. Mais ce n'est pas en boudant le scrutin qu'on va y arriver. Non, je ne pense pas. Peut-être que vous parlez d'une période où je n'étais même pas là. Moi, j'avais mis une avisa, vous avez écrit un Jean-Pierre Fabre, la musique et tout cela, j'ai dit, en fait, attention, même cette carte, si vous voulez la jouer, on ne montre pas ça à l'adversaire. Parfois, ça marche. Dans les pays normaux, ça marche. Parce que ici, la Cour constitutionnelle est infiltrée. Toutes les institutions d'État sont infiltrées. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de la photo, là, ou de la vidéo. Là, ça vous résume tout. Mais revenons à ce que vous dites précisément. On pourrait le faire. Parfois, on aurait pu laisser les gens s'inscrire, avoir leur carte à l'école. Au dernier moment où la Cour constitutionnelle a bouclé sa date, vous n'y allez plus. Là, il n'aurait plus la marge de vous trouver des candidats postiches. Vous comprenez ce que je dis par candidat postiche. C'est pourquoi vous avez des gens fabriqués. Postiches, ils ont fabriqué des gens. C'est pour la prévente. Les indépendants colorés. Tout ça. C'est parce que vous avez annoncé le boycott. Ça ne s'annonce pas. C'est une stratégie électorale aussi, le boycott. Mais il faut savoir comment l'utiliser. Si on s'était enrôlé sans pouvoir voter pour les législatives, là où peut-être que ça aurait aussi changé les données. Parce que je ne veux pas forcément dire que l'autre parti. Moi, je ne dis pas l'Union. Parce que l'Union n'est pas un parti politique. Le RPT n'en a jamais été un. Et l'Union n'en sera jamais un. C'est une nébuleuse. Vous savez pourquoi? Un parti politique se forme de bas en haut. Et non, de haut en bas. Si vous êtes dans un parti où vous n'avez jamais cotisé, est-ce que vous avez une voix? Si vous n'avez jamais cotisé pour un parti, en réunion, vous avez une voix? Vous attendez la voix dans vous. C'est ça, c'est une nébuleuse. C'est formé, c'est un nuage. Soit cumulus ou cumuleux dans le nuage.